Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre aventure sur Solheim. Alors la fois dernière, on était arrêté au puzzle 130, donc on va faire les puzzles 131 à 140. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, ici on a 20. Ici nous avons 10. Donc, ici. On va noter x l'hexagone, donc 20 plus x est égal à 6x, 20 plus 6 est égal à 6x, donc 20 est égal à 5x, donc x est égal à 4, donc un hexagone vaut 4. Donc ici nous avons 4, ici nous avons 4 et 4, donc 8, donc 14, on va noter y, le losange, la valeur du losange, 2y, donc 14 plus 2y est égal à, donc 8 plus 4y, donc 14 moins 8, ça va nous faire 6, et 2y, 4y moins 2y est égal à 2y, donc y égale à 3. Donc losange va valoir 3. Puzzle 132. Donc ici nous avons 14. Donc il faut savoir la valeur du carré et la valeur du losange. Donc on sait que donc on note x la valeur du carré et y la valeur du losange. Donc ici nous avons 4x plus y est égal à 14 et x plus 2y est égal à 14. Donc on peut résoudre ce système d'équations par substitution. Donc la deuxième ligne, on pourrait avoir y égal à 14 moins 2y. Donc on remplace la valeur de x dans la première ligne. 14 moins 2y plus y est égal à 14. Donc ce qui nous donne donc 4 fois 14, 6, 5, moins 8y plus y égale à 14. X égale à 14 moins 2y. Donc moins 7y est égal à 14 moins 56, ce qui donne moins 42, et x est égal à 14 moins 2y. Donc on divise par moins 7, donc y égale à moins 42 divisé par moins 7, ce qui nous donne 6, et x sera 14 moins 2 fois 6, donc 14 moins 12, 2. Ça veut dire un carré vaut 2, et un losange vaut 6. On revérifie. 6 fois 2, 12 plus 2, 14. 6 plus 2 fois 4, 8. 6 plus 8, 14. Donc on est bon. Puzzle 133. Donc ici nous avons moins 30, moins 30, moins 15, moins 15. Donc le triangle va valoir moins 30. Un cercle, comme 3 cercles valent moins 15, un cercle va valoir moins 5. Ici, le losange vaut déjà moins 30. Donc, pour avoir moins 15, il faut ajouter 15, donc la goutte va valoir 15. 134. Alors on sait que 4, donc on va noter x le trapèze et y la goutte. 4x plus 3y est égal à 56 et on sait que 2x plus y égale à 2y plus x.
Donc 4x plus 3y égale à 56. Ici, nous avons x égale à y. Donc 4x plus 3x égale à 56. Donc 7x égale à 56. X va être égal à 8. Donc 8 et 8. Donc puzzle 134, c'est bon. Puzzle 135. Alors, on sait qu'un carré va valoir 6. 6, 6, 6. 42. 42 divisé par 2, ça va nous faire 21. 21. Donc 21 moins 12, ça va nous faire 9. Donc ici, on va noter x, y. Donc 2x plus y égale à 9. Et on sait aussi que en 21 moins 6, ça va nous faire 15. Donc 5x plus y. 5x plus y égale à 15. Donc première ligne, y égale à 9 moins 2x. 5x. 5x plus 9 moins 2x égale à 15. Ce qui nous donne 3x est égal à 15 moins 9, ce qui va nous faire 6. Y égale à 9 moins 2x. X égale à 2. Et ici, y égale à 9 moins 4, c'est égal à 5. Donc, le cercle va valoir 2 et le cœur va valoir 5. Puzzle 136. 50, 50, 25, 25, 25, 25. On sait que un losange va valoir 1. 1, 1, 1. Alors, 6 carrés vont valoir 24. Donc, un carré vaut 4. Donc, ici, on a 4, 4, 4, 4. 16, 18. 25 moins 18, ça va faire 7. Donc, un cercle va valoir 7. Donc ici on a 7, 4 et 4. Donc 4 et 4, 8 et 7, 15. Donc un cœur, 10. Et 10, 20, plus 4, donc losange vaut 1. 137. Donc on sait tout de suite que le trapèze va valoir 3. Ici, 3, 3 fois 4, 12. Donc, un losange 12. Là, c'est 24. Ici, c'est 24. 3 gouttes valent 24. Une goutte va valoir 8. Et donc, le cercle va valoir moins 5. 138. Donc la moitié de 64 est égale à 32. On sait que un losange vaut 10. Donc un trapèze va valoir 1. Alors ici on a 10, donc 22. Donc pour équilibrer c'est 11 et 11. Donc ici 2, 9. Donc 11 moins 2, 9. Et donc 3 trapèzes va valoir 3. 139. La moitié de 88, c'est 44. 44, 22, 22, 22, 22. Donc, on va commencer par ce côté-là. On sait que, donc, on va noter x le triangle, y le l'hexagone. Donc 3x plus y égale à 22. Et x plus 4y égale à 22. Donc deuxième ligne, on peut dire x est égal à 22 moins 4y. Donc on remplace x
par sa valeur. 3, 22, moins 4y, plus y, égale à 22. Donc, 66 moins 12y, plus y, égale à 22. X égale à 22 moins 4y. Donc, 66, donc moins 22, 66 moins 22, 44, est égal à 11y, donc y égale à 4. Donc, un hexagone va valoir 4, x est égal à 22 moins 4 fois 4, 16, donc 22 moins 16, 6, donc un triangle vaut 6. Alors, ensuite, 4, 6, 6, 4, 10, 10, donc 20, 22, donc une goutte va valoir 1, et donc le cœur va valoir 7. Hexagone 4, triangle 6, goutte 1, cœur 7. Dernier puzzle. Dernier puzzle, 140, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 demi, 1 demi. Donc, le triangle va valoir 1 quart. L'hexagone, 1 tiers. La lune, 1 demi. Et le cœur, 1 demi, 1 demi, 1 demi, donc 3 demi. 1 moins 3 demi, moins 1 demi, donc le cœur va valoir moins 1 demi. Et voilà pour cette série. Et bien voilà pour Somme Immobile. On a fait le niveau Master du niveau 131 à 140. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire. Et si vous voulez suivre la chaîne YouTube C'est le Math, vous pouvez vous y abonner. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.